Colonne ionienne, 5e siècle avant Jésus-Christ, exact. Non, 3e siècle avant Jésus-Christ, et de plus colonne dorique. Vous vous trompez à peu de choses près de 200 ans, ignorant imbécile. Lieutenant Brown, on ne tue jamais un cuisinier, spécialement un cuisinier italien. Pour cette raison, nous épargnerons Signor Rotel. Exécutez cet homme à sa place. Ein Stuhl unter dem Bogen. Stem, we'll be right back.
Professeur Bleck, qu'est-ce qui vous contraint continuellement à vous évader? C'est durant votre première guerre mondiale qu'étant soldat, j'ai pris cette habitude. Et maintenant que vous êtes civil, demandez-vous ce que vous seriez devenu si le bras bienveillant de la brigade de récupération archéologique du Führer ne vous avait tiré de vos multiples camps d'internement. Je ne serais pas occupé à piller tous les trésors artistiques de la Grèce. Sergent Judson, dans quel cul de basse fosse moisiriez-vous si, séduit par vos talents de prestidigitateur appris au cirque, je ne vous avais pas enlevé de ce déprimant camp de prisonniers au fond du Vaterland? Quant à vous, Bruno Rattelli, si vous n'étiez cuisinier... Permettez, je ne suis pas cuisinier. Dieu sait que c'est vrai. Je suis pilote de course, moi. Il m'arrive de croire que... J'ai l'impression que votre abandon de la cause alliée peut avoir été considéré par eux comme une bénédiction. Alors écoutez-moi. Ah, donc ? Il y a ici trois archéologues morts. Ils étaient irremplaçables. Mais veuillez noter que ça n'a en rien empêché le sergent Mann de les tuer. Aussi à l'avenir, dans l'intérêt de la paix et de l'harmonie... Commandant, voilà l'harmonie qui se met. Commandant Hecht, je me réjouis de voir que vous êtes en train d'instruire le procès sommaire de ces criminels. Avez-vous déjà fixé les peines? J'allais le faire, commandant Volkmann. Je vous en prie, faites donc. Comme je vous le disais, pour vous empêcher de saboter davantage la mission de cette unité, vous allez immédiatement être consigné dans vos dortoirs. Ce campement a un objectif très précis, qui est d'exhumer des reliques archéologiques inestimables. Quiconque compromet ce projet le paiera chèrement. Je suggère qu'on les enferme là-dedans. Ouvrez-moi cette grille. Ouvrez-la! Sautez dedans, messieurs. Dans la SS, le favoritisme n'est pas de mise. Mettez les morts avec eux. Vous souhaitez peut-être que je donne l'ordre? Commandant, si vous le permettez, je tiens à vous rappeler qu'ici, c'est moi qui commande. Vous avez raison. J'ai outrepassé mon autorité. Ils ont localisé l'émetteur. Non, hélas. Ça exige 30 secondes pour faire le point et les Grecs n'émettent jamais aussi longtemps. Je t'en prie. Oh, allez, viens, c'est par là. Ne refais jamais ça. Tout ça, tu t'en fous, ça compte pas pour toi, hein? Ce qui compte, c'est que vous, les héros de la Résistance, avez osé faire des putains de 5 jeunes filles afin qu'elles espionnent les Allemands pour vous. On est en contact avec la marine alliée pour l'invasion de la mer Égée. Cette fois-ci, qui va nous envahir? Qu'est-ce que j'en sais? Les Britanniques? Les Américains? Les Allemands sont plus soignés. À mon point de vue, une maîtresse de bordel. Tout à l'heure, ils ont pendu des vieillards sur la place. La Résistance doit s'emparer maintenant d'un objectif précis. Mais alors? Le dépôt de carburant des sous-marins.
C'est du vrai café qui te l'a donné. Le lieutenant Braun. Comment est-ce que tu l'as gagné? Dieu vous bénisse. J'espère que c'est pas contagieux. Oh, on tient au lit. Oh, maman, quelle merveille. Merci. Mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Des prisonniers qui ont essayé de s'évader. Venez. Dites pas, on m'a affirmé que nous allions dans un country club. Avec table de chambre, eau chaude, eau froide, on pourrait avoir un peu de champagne le vendredi soir. Est-ce qu'on pourra danser la rumba, dis-moi? C'est Rockman. Entrez. Ah, les Américains. Charlie Dane, mademoiselle Dottie Delmar. Commandant Otto Hecht. Très ressemblant. Très ressemblant. Louis Armstrong. Owen de Sales. Exactement. Êtes-vous amoureux du jazz? Depuis King Oliver. Il est très joli, ce petit crochon. C'est un vase égéen du 5e siècle. J'aurais juré qu'il était du 4e siècle. Et ça vaut une petite fortune. On vous a descendu au-dessus de l'Adriatique? C'est exact. Nous allions faire une tournée pour les soldats. Vous êtes nageuse, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous nagez bien sous l'eau? Pourquoi me demandez-vous ça? Nous avons besoin de quelqu'un pour explorer le littoral et trouver des trésors de l'art antique. Je suis votre homme, commandant. Très bonne réponse. Et vous, monsieur Dane, quelle est votre spécialité? Le véritable numéro d'artiste de variété. Je ne pense pas qu'il y ait place dans l'unité archéologique de récupération pour un comique. Pour une nageuse, par contre, il y a de la place. Même si mademoiselle Delmar ne nageait pas bien, elle ne serait pas entièrement inutile. Merci, commandant. Le commandant Folkman, au cours de sa prochaine petite virée, voudra vous interroger. Un amateur de jazz également? Il est commandant dans la SS. Je pourrais peut-être dresser le catalogue de votre collection, faire des biographies, des grandes figures de jazz, entretenir le parc de motocyclettes, je sais raccommoder, laver le linge, nous amidonnons l'école sans excès. Alors, nous verrons comment les choses évoluent. Et si j'enseignais la danse aux hommes, un remarquable assouplissement après toute la raideur du pas de loi, et Gershwin, un Américain à Paris, je oui, suis mais fou hélas, de... Gershwin est prohibé dans le Troisième Reich. Je vais vous dire, c'est pas trop tôt. Sergent? Bon, commandant. Pourquoi est-ce qu'il a été si long? Sergent, conduisez M. Den au baraquement 7 et escortez mademoiselle à la résidence des hôtes à côté de l'atelier de menuiserie. Yavol! Yavol. J'espère que le bruit ne vous gênera pas trop. Et ça n'a jamais dérangé. Il y a des trésors là-dedans. Ce chleu a un filon dont il se sert pour lui-même. Oh, tout le monde n'est pas aussi malhonnête que toi. Tu veux parier? Vous, c'est easy. Je donnerai le pourboire, chérie. Je prends une douche et après, je descends te retrouver au bar. Travaillez, s'il vous plaît. Allons. Le cerf-volant.
On essaie encore de localiser la radio. Jamais il ne la trouvera là où il s'obstine à chercher. Tu devrais changer d'endroit. C'est une mise de fond que je ne peux pas me permettre. Alors ne te plains pas continuellement de ça. Remonte dans ton monastère. Non, mais j'en ai l'intention. Ça fait partie de tes projets? Écoute. Oublie ce que je viens de te dire. Achtung, gefreite Müller, das Licht in der Baracke B ausschalten. L'art et l'archéologie grecque par CBNJ Black Magister Arsium. Commandant. Oh, excusez-moi. Oh, je n'ai aucune mémoire des noms, c'est bête. Mais j'oublie jamais un visage. Eh bien, ma chère mademoiselle Delmar, je vois que vous vous adaptez vite aux situations imprévues. Oh. Je vois que tout est déjà parfaitement rangé. Oh, j'aime me donner l'impression d'être chez moi. Vous savez, quand on voyage toujours, comme nous le faisons. Et vous? Vous et Charlie? Non, nous. Nous, les gens du spectacle. On ne se rend compte, Charlie et moi, que dans notre truc nautique. Un truc nautique? En quoi exactement consiste ce numéro-là? C'est dans la flotte, la revue habituelle, avec prétexte à truc cochon. Ça donne aux braves fermiers l'occasion de voir un tas de beaux Robert flottants. Des beaux Robert? Vous voulez vous asseoir? Merci. Allez-y. Je vais remplir nos verres. À quoi allons-nous boire? Je crois... à la paix pour tout le monde. Oh. Prosit. Et santé. Et qu'est-ce qui va nous arriver à nous? À vous? Rien, c'est moins sûr pour votre ami juif. Comment savez-vous qu'il est juif? Dans le Troisième Reich, tous les gens sont présumés juifs. S'ils ne prouvent pas que c'est faux. Et vous avez... de jolies cuisses. Merci. J'aimerais tant... Vous vous arrêtez, pourquoi? J'ai eu l'impression que c'est vous qui m'arrêteriez. Oh, j'ai peut-être l'air d'une idiote, mais je ne suis pas stupide. Ça va pas? Vous ne rendez pas le baiser? Chérie, vous avez dit que vous désiriez... Chut, j'ai pas dit que je le désirais. Bien, je crois... Étant donné les événements actuels, vous devriez afficher un autre comportement. Bonsoir. Et vous ne remportez pas votre bouteille? Ce ne serait pas le fait d'un galant homme. Et il se permet le chantage, hein? Uniquement s'il réussit. Bonsoir. Obligatoirement, il y a toujours quelqu'un qui creuse un tunnel pour s'enfuir. Non, pas ici. Oh, moi j'aime autant ça, parce que c'est pas un endroit désagréable pour attendre la fin de la guerre. Hein, l'Autrichien qui nous commande le pense également. Qu'est-ce que c'est? Ça remonte à environ 200 ans avant Jésus-Christ. C'est une miniature qui représente un dieu lard. Il est probable qu'elle provient de la table de chevet d'une dame, d'après son aspect. Comment le savez-vous?
Je suis d'une famille qui compte une forte lignée d'archéologues. Quand l'Angleterre avait encore son empire, nous avons pillé en toute impunité les trésors sublimes d'Égypte, les porcelaines de Pékin, les masques d'or persan. C'est aussi le racket de Hecht ? Ah, de notre commandant, oui, bien sûr. Il était sincèrement un malhonnête antiquaire dans le temps à Vienne. Aussi, il doit prendre plus de précautions. Les découvertes archéologiques banales vont à Berlin, mais tout ce qui a vraiment de la valeur, il l'expédie en douce à sa sœur qui vit en Suisse. Pourquoi pas ? On dirait que ça ressemble à celui qu'on a trouvé hier. C'est très astucieux, vous avez raison. On les faisait en deux exemplaires, mari et femme. Dites, comment se fait-il qu'on trouve tout ça sous le camp ? Eh bien, ici s'élevait un magnifique temple de Neptune. Et le peuple, un certain jour, venait ici pour laisser ses précieuses offrandes. Mais si un jour on ne trouve plus rien à mettre à jour, qu'est-ce qui va se passer ? Ça n'arrivera pas. Nous prenons nos précautions. Bat, remets-le au fond. Vous le voyez ? Vous ne le voyez plus. Bien joué. Alors dites-moi, où sont les pièces réellement importantes ? Eh bien, Charlie, quelque part. Vous ! Dane ! Commandant Hecht, venez ! Mais si seulement il réussissait à se placer tout seul, sans avoir toujours besoin de moi. T'es encore ici ? On n'y est pas si mal. Tu as du feu ? Oh, excusez-moi. Schwein ! Salut, Fräulein ! Et engueule les vertements, mec ! Oh, mais qui c'est cette belle femme, sergent ? C'est votre mère ? Ma femme. Oh, elle est si jolie qu'on en mangerait. Vous avez un goût exceptionnel, sergent. Un goût exceptionnel. Charlie ? Commandant ? Je l'ai vu. Est-ce que vous avez habité Hollywood ? Oh, j'y ai joué quelques petits rôles. Connaissez-vous Anne Sheridan ? Si je connais Anne Sheridan ? Non. Il paraît qu'elle est, comme son surnom l'indique, oumph. Est-ce que c'est la vérité ? Tout ce qu'il y a de oumph. Que veut dire oumph ? Oumph ? C'est ce qui est glacé, là, sur le strudel, mon commandant. Alors, il y a une chose que je tiens à préciser tout de suite. À propos de Mademoiselle Delmar. Votre situation ici ne vous autorise pas à des privilèges conjugaux. Et alors ? Considérez donc que cette porte est fermée. Néanmoins, il n'y a aucune raison de faire souffrir tout le monde. Il n'y en a aucune. Un appareil inutilisé rouille. Précisément. Donc, étant donné l'incertitude de votre situation ici... Mais je croyais que vous auriez besoin d'un animateur. Ouais, je fonderais un bingo club, je donnerais des leçons de tango, je montrerais des revues le samedi soir, je fais un prodigieux numéro à la Al Johnson. Vous n'avez encore rien entendu. Vous avez la permission. Terrible. Vous verrez, il n'y aura pas d'endroit plus à la page que votre camp. Alors, revenons-en à la question du oumph. Je croyais que ça marchait bien. En surface, oui, mais... Ah, c'est vrai, vous savez, certaines filles ont du mal à faire semblant. Pourraient-elles se comporter comme... au théâtre ? Je ne sais pas, commandant. Qu'un grand amoureux du jazz tel que vous s'abaisse jusque-là ? Les prises de guerre, mon ami. Est-ce que par hasard, vous avez entendu parler des deux Américains ? Non. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Ils peuvent être de mèche avec les Allemands. Il faut que j'attende des informations des services secrets. Il va peut-être falloir les tuer. Oui ? C'est Zoé. Si c'est un homme du camp de prisonniers, il faut que tu le prennes. C'est Braun. Braun. Avec ou sans son camion ? Avec. Sois pas obsédé.
Tu n'as pas besoin d'être jaloux de lui quand il est avec son camion. Ce qui m'obsède, c'est le camion. Est-ce que lui a pris sa bonne femme et il a l'air de s'en foutre complètement? Il ne s'en fout pas. Je trouve qu'il est suspect. Un type qui raconte des histoires idiotes n'est pas pour autant un collabo. Je pensais pour le final. À mon avis, ce qui serait beau, c'est que Douty chante Lily Marlène pour terminer. Sensationnel, d'accord. Les affaires, ça base? Berlin est satisfait. Et où? Nous découvrons des choses, mais elles n'offrent pas un grand intérêt historique. Ah, vous ne seriez pas là s'il n'y avait que des rossignols à ramasser. Je ne suis pas sûr que je dois prendre ça pour un compliment. Mais si, de ma part, c'est un compliment. Les vrais trésors sont là-bas, au monastère du Mont Athénin. Triptyque. Triptyque. Icônes. Bijoux d'argent et d'or. Vrai chef-d'œuvre de l'art byzantin. Et bien sûr, il y a la vaisselle. Quelle vaisselle? En or massif. Les aigles de tête. En bas-relief, commandé par Constantin VI en 790 de notre ère. Et combien ça vaut? 10 millions. De marques? De francs suisses. 2 millions de dollars à peu près. C'est ça. Et quand nous remporterons la victoire, je vais libérer ces trésors. Vous ne remporterez pas la victoire. Alors, je suis absolument sûr que c'est vous qui les libérerez. C'est très gai, votre compagnie. Saltimbanque. Je vous aime bien aussi, Otto. Merci pour la promenade. Et pour le cigare. Oh, c'est toi, Otto? Qui serait-ce? Lentement. Je suis à vos ordres. Sergent? Oui? J'embarque ce grec qui respecte pas le couvre-feu. Prenez le volant. À vos ordres. Montez là-dedans. Mais j'étais en train d'aller... Allez, allez. Eh oui, mon lieutenant. Et elle reviendra, ma jolie... Au secours. T'as déjà baisé avec une Allemande? Non, pas encore. Eh ben, renonce-y. Hé, hey, j'arrive. Alors, de nouveau?
Tu rentres dans le club. Sans blague, ah, du tonnerre. J'exige 2 places de parking. Inscrivez-moi pour un double dimanche soir. Je jouerai avec moi-même comme partenaire. Oh, ça va. T'arrêteras pas tes conneries. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tu es. Donc, il va y avoir un tunnel? Non, Charlie. On va s'en emparer et non s'en aller. Je vous suis pas. Eh bien, ce camp, on va le prendre en charge, mais on ne le quitte pas. Qui a eu cette mirobolante idée? La résistance grecque. Professeur, si notre but est de prendre en charge ce camp, voulez-vous me dire ce qu'on va en faire? On nous le dira. Voilà le camp. Les explosifs sont là. Et votre rôle, à vous... Voulez-vous, s'il vous plaît, accepter ma démission de votre club? Je serais étonné que tu veuilles faire ça. Davantage que d'inconvénients. Il semble que tu voyages en première classe. Oh, grave. Ça n'a rien d'une tragédie. Je joue le jeu. Si quelqu'un devrait le comprendre, c'est bien toi. Allez, règle tes comptes. J'ai pas l'intention de t'attaquer. On est fait comme ça. C'est pour ça qu'on est partenaire. Alors écoute-moi bien, partenaire, parce qu'on s'enrôle dans l'armée. Ouais, notre armée est ici? Non, c'est leur armée qui est ici. Nous allons les attaquer et le camp tombe entre nos mains. Ah oui. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont être en train de... Eux, à ce moment-là, ils regardent ton strip, parce qu'on va organiser un spectacle, alors attention. Oh, il faut que je me déshabille ce coup-ci devant ces Allemands. Aujourd'hui, Otto. Demain, le monde. Oh. Est-ce qu'il faudra tuer ou blesser des gens? C'est probable que ça veut nous faire. Et ça me fait qu'Otto, il a été vraiment chouette avec nous. Eh ben, tu devras peut-être le lui dire, non? Le bagnard de ce qui lui pend au nez. Il était encore ici, il faut reconnaître que c'est bien grâce à lui. Non? D'accord, moi je viendrai. Bon, et qu'est-ce que tu comptes faire après? Grimper vite au monastère et se farcir ce qu'il y a de mieux avant que ton petit copain rafle tout. Il en a dans la tête, mon miné. Charlie, tu veux qu'on s'embrasse et qu'on le fasse? Et si on s'embrassait et qu'on en reste là? Tu sais, t'as pas besoin de jouer les durs avec moi. Charlie, tu y arriveras, tu crois? Parce qu'elles ont la mémoire courte. Il y en a pour 2 millions de dollars en vaisselle d'or, ma petite fille. Alors pour cette somme-là, tu sais, moi, je me ferai l'Empire State Building. Vous aviez vu que le lieutenant Brown était ivre, pourquoi ne l'avez-vous pas aidé? J'ai essayé. Mais il me faisait très peur. Avant que je prenne le commandement, une femme a-t-elle jamais été exécutée ici? Non, commandant. Il faut donc un châtiment qui soit exemplaire. Elle sera la première. Ce n'est qu'une prostituée, bien connue pour servir à nos hommes. À mon avis, ça n'aura pas d'effet sur les gens d'ici. Une honnête femme, ça ferait trop de bruit. Ils comprendront que les vertueuses peuvent être les prochaines. Quand voulez-vous que ça ait lieu? Immédiatement. Et faites annoncer par les haut-parleurs que si le meurtrier de lieutenant Brown ne se dénonce pas dans les 48 heures, on fusillera encore 10 habitants de Carriai. Achtung, Achtung! Wenn der Mörder von Leutnant Brown sich nicht innerhalb 48 Stunden freiwillig stellt, werden 10 weitere Einwohner von Carriai erschossen.
de te forcer à tuer Brown. Hey, laisse-nous. C'est moi seul qui en jugerai. Je le payais de mots et il se contentait de ma présence. Impossible de compter éternellement là-dessus. Et est-ce que nous allons tuer les deux Américains ensuite? Non. Ils sont blanchis. Comme c'est généreux! Et est-ce que tes chefs connaissent les motifs personnels que tu avais de vouloir tuer Brown? Quel genre d'homme crois-tu que je sois? On va voir ce que tu es. As-tu l'intention de laisser fusiller 10 personnes pour sauver ton existence? On ne fusillera personne. Je n'en crois pas un mot. Tu verras. Il y a un plan. Supposons que ce plan échoue, tu vas te constituer prisonnier? Non. Tu n'es qu'un porc. Zoé sera bientôt vengée. Je l'espère. Parce que si tu m'y obliges, je te dénoncerai moi-même à Volkmann. Ravissant. Absolument ravissant. Merci, professeur. Et en outre, ça confirme votre théorie sur la prodigieuse disparité d'époque trouvée au cours de ces fouilles. Ça, c'est du deuxième siècle avant le Christ. 90% de ce qu'on trouve provient de l'ère chrétienne. Vous avez raison. Nous avons rencontré la collection d'un grec du premier siècle de notre ère. C'est troublant de se dire qu'il y a 2000 ans, un homme riche, amateur d'art, estimait que c'était déjà l'art d'autrefois. Merci, professeur. Bonsoir, commandant. Oh, je dirai au sergent Mann que je vous autorise à venir chaque fois que vous le désirez. Très touché. Très bien. Ramassez-moi ça. De Noël anticipé de la résistance au Chelet. Et pourquoi faire? C'est une herbe qu'on trouve par ici. Elle se nomme la revanche de Socrate. Celle-ci a l'air d'être extrêmement rare, vous ne pensez pas?
Elle est vieille comme Hérode. Was ist los? Il a traversé devant le car. On n'est pas responsable, excusez-moi. Je vous jure, monsieur, qu'on n'est pas responsable. Comment dit-on des mannes? Je vous le jure sur la tête de votre fille. Valdich! Allez, descendez, tout le monde dehors. Calme, Freeze. Détends-toi, ce n'est qu'une balade. Elle a disparu. Alors, elle dit au patron de la tôle, les deux premiers mecs, ça allait, mais celui au manteau de fourrure m'a paru un peu brutal et il devrait se couper les ongles. Donc, elle pensait que l'ours était un autre mec qui portait un manteau de fourrure. Enfin, celle que nous sommes tous impatients de voir, la réplique des États-Unis à Lily Marlène. La vedette de la scène, de l'écran, de la radio, des spectacles industriels, du ballet nautique en direct et des plus grands musicaux, le Radio City de... La ravissante, la fabuleuse, la fascinante, la terrible Miss Dotty Delma. My mama just told me when I was in pigtail. My mama done told me. A man's gonna sweet talk. Give you the big eye. On l'applaudit bien fort. A man is a two-faced, a worrisome thing who leave you to sing the blues in the night.
va de vos poches. My mama done told me, hear that lonesome whistle, and cross. Allez, donnez à la belle Totti des marques d'encouragement. My mama done told me, oh, oh, we are. Going back the blues in the night. Oh, oh, allez, un peu plus fort, les gars. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Asseyez-vous tout de salut suite. Salut les gars. Vous vous retrouverez sur la Font Russe bientôt. Hey, wer hat meine Hose geklaut? Oh, das da. Vous en voulez encore? Non, non, non. Jamais à quel point nous apprécions votre collaboration. Maintenant, montez sur la scène, Sergent Mann. On l'applaudit très fort. Merci. Sergent, Sergent. Sergent Mann, vous êtes un chaud lapin. Et maintenant, Sergent, est-ce que je peux sans me tromper supposer qu'il n'y a aucun moyen sur la Terre qui me permette une simple ondulation de cette étoffe de faire passer votre automatique de votre holster dans ma main? Est-ce que j'ai dit vrai? Il n'y a aucun moyen. Chou, bap, chou, bap, chou. Choubi. Bravo, bravo. Cette chère vieille magie noire m'a sorcière. Les mains sur la tête. Commandant, donnez-leur l'ordre de rendre leurs armes ou vous y passerez le premier. Rendez votre armement. Professeur, j'espère que vous savez ce que vous faites. Que vous le savez tous. Ces armes volaient à la vitesse supersonique de 3300 km à l'heure. Et avaient une portée d'au moins 200 km. Il vous est possible, d'après des films tournés par les Alliés, de voir leur fantastique effet dévastateur sur Londres. Oui, arrêtez. Ouvrez les rideaux. Notre nouveau missile a une efficacité encore plus grande. Lancé contre une flotte de navires de guerre ennemie, il achèverait rapidement ce qu'une batterie côtière conventionnelle ne réussirait qu'en plusieurs jours. Voilà, c'est tout, messieurs. Quelqu'un désire-t-il poser une question? Encore un peu de thé, servez-vous de petits fours. Pourquoi vous voulez prendre des sanctions contre le commandant Hecht? Pour la bonne raison qu'il a envahi mon pays. Mais de quoi elle se mêle, cette bonne femme, professeur? C'est elle qui voit le mieux la situation. On a besoin de Hecht pour s'assurer que Volkmann ne découvre pas ce qui s'est passé là. Je parviendrai peut-être à le convaincre. Entendu.
Je crois que c'est un coup d'épée dans l'eau, mais je vous donne la permission d'essayer. Permission ? Dites-vous, croyez que je me suis battu comme ça pour échanger les Allemands contre les Grecs ? Toi, tu t'es battu ? Dans combien de temps croyez-vous que Volkmann découvrira ce qui s'est passé ici, avec ou sans Hecht ? Nous avons d'autres projets. Moi aussi ? Lesquels, peut-on savoir ? Moi, j'aimerais grimper le plus vite possible à ce monastère sur le mont Athéna. Ah oui, pourquoi ? Je suis un amateur d'art, moi. C'est notre cas, tous, mais il y a des priorités. Attendez un peu. J'espère que vous n'êtes pas con au point de supposer que nous grimperions jusqu'aux portes du monastère sans que les gars de Volkmann ne repèrent notre escalade. Nous, Rotelli. Mais alors, vous aussi, vous aimez les arts. Nat, je voudrais dire un mot à Hecht. À moins qu'il y porte chance une autre fois. Supérieurement exécuté. Merci. Il est évident qu'il faut que Volkmann continue à croire que tout est en ordre ici. C'est évident. Nous vous demandons donc de ne rien lui dévoiler. Vous estimez, professeur, que parce qu'un homme vole sans honte son pays, il est prêt également à le trahir ? Non, car toutes les personnes qui fraudent le fisc seraient des traîtres en puissance. Alors. Je voudrais encore poser une question, monsieur le professeur. Que penseriez-vous si par hasard les rôles étaient inversés ? Par chance, il n'en est rien. N'ayez pas d'hésitation. Si vous ne nous aidez pas, Zeno vous tuera. Vous êtes son allié. Partagerez-vous cette responsabilité ? Avec difficulté. Et il n'y a aucune autre solution ? Rien encore. Il veut d'abord réfléchir. Carlo, emporte ses fusils et surveille Hecht. Merci. Quelle perte effroyable ça aurait été. Oh, vous connaissez tous Otto, c'est vraiment un chic type. Non, la Dotti, tu en fais trop. Que souhaitez-vous me demander ? Dans 18 heures, Volkmann compte fusiller 10 personnes, ça ne se produira pas. Et les Allemands vont être mis en état de nuire dans cette île. Juste comme ça ? J'ai examiné mon plan avec le professeur. Il estime qu'il est entièrement exécutable. Bah alors après, on pourra grimper au monastère. Charlie, chez toi, c'est une idée fixe ? Notre mission est d'investir le village et le dépôt de carburant pour que les sous-marins allemands ne puissent pas entrer en action contre la flotte de débarquement des Alliés. Je me fous de ce que vous ferez ensuite. Excepté, écoutez-moi attentivement, je ne leur dirai pas. Le trésor d'Athéna est la propriété du peuple grec. Nous commencerons par nous infiltrer dans le bordel du village. Ça me paraît dégoûtant, commandant Hecht, mais je pense que ça vous ennuierait de voir vos soi-disant soldats expirer des effets d'un pareil priapisme. Permission accordée. Voilà. À vous de jouer, à présent. Imaginez-vous que l'antiquaire autrichien veut que les gens de son camping rendent visite au putain avant le petit déjeuner. Les hommes peuvent descendre.
Ah, ta gueule. Qu'est-ce que ça veut dire? Commandant? Quoi? Il va y avoir des exécutions ce matin. Et le commandant Folkman souhaite que vos hommes y prennent part et qu'ils soient armés. Je vous prie de faire savoir au commandant que nous sommes heureux de cette occasion de lui prêter notre gracieux concours. Im Laufschritt, marche! Si pendant qu'on est ici... La voix de l'Italie... Descendez tous les prisonniers, enfermez-les au sous-sol. Va bientôt attaquer le dépôt de carburant. Rotelli, vous et vos hommes prenez position. Et n'oubliez pas, des rafales courtes, Charlie. Et pas le ratatatatata des gangsters de cinéma. Sans quoi le canon chauffe. Ratata. Et pas ratatata. Il lui dit qu'il va être en retard à la synagogue. Règle 4 à Espadon, le chenal sera ouvert, opéré sur les tankers 1 et 2. Et les papiers, répétez. Demandez aux hommes grenouilles de se préparer à plonger. À vos ordres. Thank you.
Il n'y a rien à craindre. Bon, il n'y a personne par là aux pompes à essence. On y serait bien jusqu'à ce qu'un sous-marin arrive. C'est son problème. Elena, prends notre place, nous on va descendre. Thank you.
je m'appelle Alice et mon cher Marie-Louise, lui et moi, oh, nous sommes à la Bahama. Est-ce que tout va bien au village? Pour votre pays ou pour le mien? Pour le mien. En réalité, est-ce que ça existe, les pays? Il n'y a que des fleuves, des montagnes, des gens avec des maisons. Les pays sont des abstractions. En réalité, vous ne le pensez pas du tout. Non. Merci d'avoir essayé. Vous êtes en bonne voie ici, il me semble. Ce n'est pas sûr. Regardez, c'est le registre d'aujourd'hui. Ça, qu'est-ce que ça signifie? Il y a un sous-marin au large quelque part qui vient refaire le plein. Qu'est-ce que ça dit? Athéna, déesse de la sagesse, des combats et de la musique. Comme toi, une déesse très embrouillée. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore un petit peu. Ça a l'air rudement chouette ici. Il y a de quoi monter une revue superbe avec tous les éléments qu'il y a dans cette pièce. Laisse tomber. Alors, quand va-t-on au monastère pour être riche? Ah là, il y a un problème, parce que Volkmann peut peut-être demander de l'aide par radio maintenant. Mais où? Mais où? C'est un autre problème. C'est pour ça que Zeno fait traîner les choses. Enfin, c'est ce qu'il dit. Les Alliés avancent la date de leur débarquement ici de 30 jours. Ils arrivent la semaine prochaine. C'est à moi de jouer maintenant. Charlie! Rotelli! Qu'est-ce que nous veut notre mère grecque maintenant? On arrive, maman! J'ai de bonnes nouvelles. Volkmann, il n'a rien transmis du tout. S'il l'a fait, en tout cas, personne ne l'a entendu. Comment le sais-tu? Comment je le sais? Voilà comment je le sais. Le service secret allié en Turquie couvre toute cette région. Alors on n'a qu'à attendre le débarquement, hein? Nous pourrions avoir du temps pour grimper au monastère. Alors toi, tu changes rapidement d'idée, Zeno. Qui est-ce qui disait que le monastère était interdit? Les trésors d'Athéna sont la propriété de tout le peuple grec? C'est vrai. C'est vrai. Tous les soldats qui vont débarquer ici, de quelque confession, âge, couleur ou nationalité qu'ils soient, voleront sans vergogne tout ce qu'ils rencontreront. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas, nous? Est-ce que tu es de cet avis? Les moines seront obligatoirement refaits. Rotelli. D'accord avec mes deux copains. Entendu. Mais il faut qu'on se prépare à convoyer un armement lourd et des explosifs. Pour une bande de moines? Ils l'ont peut-être planqué, ce trésor. Peut-être scellé au fond d'une grotte. Alors je vois l'usage de la dynamite, mais pas celui du matériel d'agrément. On est toujours en guerre, Charlie. Je vais t'avouer quelque chose, je n'ai aucune confiance en toi, Mamza. Mais je suis plus cupide que je ne suis prudent. Quand est-ce qu'on se marie?
Mais tout de suite, si vous le désirez. Nat. Un sous-marin fait surface. Zone 3, 20 degrés sud-ouest du dépôt. Aigle 4, ici Espadon. L'ETA est 13-130. Terminé. Dites qu'on manque de fuel aujourd'hui. Ils ne vont pas le croire. Dites-lui. Ici Espadon. Vous me recevez? Aigle 4, ici Espadon. Espadon, Espadon, Aigle 4. J'arrive pas à croire qu'il y en a qui font ça pour le plaisir. Continuons jusqu'à Aigle 6 en remplacement. Terminé. Comment rendre indisponible ce foutu dépôt? Professeur, il y a quand même des choses qu'il faut que vous trouviez tout seul. On dispose de quelques mines magnétiques. Dottie. Mmh. 5 mètres. Descendriez-vous après de 5 mètres sans matériel de plongée? Sans aucun doute. Pour l'effort de guerre, que ne ferais-je? Ah voilà, il faut d'abord ouvrir les valves, ensuite fixer les mines. J'espère qu'il n'y aura pas de surprise sous l'eau. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Du matériel de transmission, à mon avis. Quoi, pour une bande de moines? Je me demande ce qu'ils font avec ça. Oh, ils font peut-être un flash matinal, du genre « Bonjour à tous, ici le frère Slotos qui vous parle du culte orthodoxe à haute altitude. » Mais les Allemands peuvent avoir mis une petite installation dans le monastère. Eh, écoute, essaye au moins de nous jouer la surprise. Est-ce que tu voudrais dire... Il dit que tu nous as amenés jusqu'ici pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce que nous cherchons. C'est exact. Et je le pense aussi. Très bien. En effet, ils ont un centre de communication ici. Quand ils vont découvrir qu'en bas, il se passe quelque chose, ils demanderont de l'aide. Il faut que nous le détruisions. Combien d'hommes il y a là-dedans? Oh, ils ne doivent pas être très nombreux. Je suppose que tu as étudié un plan d'approche, hein? Oh oui, avec soin. On devrait te jeter du haut de la montagne. Et vous n'auriez pas votre vaisselle d'or après ça? Ma vaisselle d'or. S'il m'arrive quelque chose, dans 20 ans d'ici, au moment où les Allemands vendront des Volkswagen dans le monde entier, je serai vraiment en colère, Zeton. Ah oui? Répondre que je suis pas là. Hé, hey, c'est peut-être ton impresario, hein? Tu crois? Non. Jawohl. Ja. Ja, alles normal hier. Ja, ja, geht in Ordnung. Ja, gut. Thank you.
sont gentils de rendre ça si facile à descendre. Faites attention, ne le touchez qu'avec vos bottes. Allons-y. Pas à mettre mon silencieux. La ferme ? Zeno, c'est mon silencieux à votre part. C'est ça que tu appelles pas être nombreux. Un, deux, trois, quatre. Mais ils sont une armée là-dedans. Ôte le couvercle. Et que ça s'éclate deux, sauf erreur de ma part, c'est un détachant. Et à peu de choses près. La maison aura changé de propriétaire quand ils vont se réveiller. Évite de respirer.
Naturally. Danke schön. La radio est morte, lieutenant. Wir sind alle hier zu Hause. Die Kinder fragen jeden Tag. Depot ici, Athéna, répondez. Essayez d'appeler la crête. Crête, ici, Athéna, répondez. Je n'arrive pas à obtenir la crête. Elle est là. Allons-y. Pour le trésor. Oui, oui. Chouette. Contrôlez l'antenne. À vos ordres. Ça vous remontera. Ah, oh, merci. Lance. Oui. Mettez la garnison en alerte. Supervisez-moi tous les émetteurs. Très bien. Maintenant, on est à côté du trésor. Schroeder à l'appareil. Phase 1. Thank you.
savez ce que vous faites réellement ici. Tu deviendras un héros, Charlie, couvert de décorations. Nous allons empêcher que la flotte de débarquement soit pulvérisée. Donc le débarquement est en cours. Une affaire de jour. Pas aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il fout avec ces trucs-là maintenant? Votre part de butin ne court aucun risque. Dans cette région, je fais confiance à Zeno. Ce n'est pas ce qui me donne du souci, professeur. Ce qui m'inquiète, c'est l'aventure dans laquelle il les a embarqués. Non, ils s'en sortiront très bien, je vous assure. Allons-nous en d'ici. Si tu tires dans l'oxygène liquide, tu nous feras sauter au moins jusqu'au village. Excuse. Nat, l'ouverture dans le mur, la croix. C'est la pièce d'où on le commande. Jette ça dedans, très loin. Cette bon Dieu de vaisselle, ça ne s'arrêtera jamais. Jamais. Est-ce que tu permets qu'on libère les moines d'abord? Nat, occupe-toi de ça. D'accord, d'accord. Toi, Nat, tu vas te débrouiller avec les moines. Tu es associé à part égale avec Otto et le professeur. Où est le trésor? Où est cachée cette vaisselle d'or? À droite, au fond du tunnel. Vite, vite, descendez vite, il a fait chaud.
Dis, t'as pas le sentiment qu'on n'est pas les premiers? Est programmé pour s'autodétruire. C'est parti pour le compte à rebours. T'as pas entendu, Charlie? C'est... Charlie, viens, foutons le camp! Charlie, viens, viens, tout va sauter! Foutons le camp! Tu vas me laisser tranquille, il faut que j'ouvre ça! Mais t'es fou! Je ne devrais pas rester patronne de bordel. Je ne sais pas. Les frites, c'est en partie, qu'est-ce que tu feras? Les Grecs ne casquent pas. Est-ce qu'on le leur demande? Je n'ai qu'un espoir, c'est que vos trésors n'aient pas été détruits avec le monastère. Il n'y a aucun risque. Parce qu'ils étaient cachés quelque part dans ce qu'on désigne sous le nom de maison de plaisir. Dans le... Non, il n'est pas du tout nécessaire de me dire où la vaisselle d'or est cachée. Non, mettez-moi en gros dans la bonne direction. Merci. Nous ne voulons pas réellement ces trésors, nous ne voulons qu'en faire des copies. De l'endroit, je vous demande de me dire simplement, Charlie, vous brûlez, vous brûlez. Mais si je m'en éloigne, vous me dites, c'est froid, c'est froid. Puis-je les voir? Je vous assure que je ne veux que regarder. J'ai l'intention de vous les montrer. Merci. Je serai votre représentant à New York. Très bien. C'est possible que... Et quant à moi, votre représentant à Rome. D'accord, j'ai peur que rien de ceci ne s'avère possible. J'en suis navré. Hop, bah. Oh,
enfin. Oh, Otto, Otto, emmène-moi là. J'ai toujours eu envie de voir où vont les gens quand ils veulent. Ça, c'est une preuve de délicatesse. Charlie! Oh, Charlie, quand je pense qu'on t'a cherché partout, maintenant que la guerre est presque finie, ça mérite d'être fêté. Bon Dieu, mais qu'est-ce que tu peux bien fêter? Nous n'avons pas pu dégoter le trésor et on dirait que je suis en train de perdre ma partenaire. Oh, Charlie, au lieu d'en perdre une, dites plutôt que vous en gagnez un. Vous voulez jouer un rôle dans mon sketch? Non, je souhaite vous avoir tous deux dans le mien. Laissez-moi le temps de vous expliquer. On ne trouve pas en Suisse que des coucous, du chocolat et des montres. J'ai là-bas des trésors que j'ai pillés, collectionnés dans toute l'Europe. Voilà mon projet. Nous ferons faire des copies sans défaut que vous aurez la responsabilité de vendre en Amérique. Et même peut-être je pourrais les revendre aux Grecs. Je lancerai la vente sur catalogue par correspondance. Oh. On en verrait là le musée de titres, aussi du racolage. Oh, j'adorerais ça. Je ne pense pas qu'il faille s'attacher au musée, voyez-vous. Ça, ça doit rester ma partie, parce que moi, je suis antiquaire. Et c'est quelque chose dont vous n'allez pas être vous capable. Vous garderez la haute main sur les musées, mais nous devrions fonder une société. Nous l'appellerions... Vous n'avez pas l'idée d'un nom? L'ordre des anciens. Oh, une société. On fonde une société. Oh, ça me plaît, quelle ça. Équipe. Oh. Cette maison que vous voyez là était le quartier général de la résistance grecque. C'est aujourd'hui un musée d'État qui abrite des trésors byzantins, y compris la célèbre vaisselle d'or du mont Athéna.